19 la matinale, un 10 vert. Un 10 vert. Amil, bonjour. Bonjour Hakim. La candidate du développement durable pour ce lundi 9 septembre, vous avez décidé de nous parler de météo, des changements climatiques, c'est d'actualité, mais aussi de verre, verre de récipient. Pourquoi Sur la planète Terre, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui voient toujours le verre à moitié plat et ceux qui voient toujours le verre à moitié vide. La réalité par les chiffres, les deux sont dans le 50, 50, le 50, 50. Mais puisqu'il s'agit de classement et donc de valeur, la réalité se transforme très vite en qualificatif. Ainsi ceux qui voient le verre à moitié vide sont qualifiés de pessimistes. A contrario, ceux qui voient le verre à moitié plein sont qualifiés d'optimistes, transposés, à la problématique des bouleversements climatiques, ceux qui voient le verre à moitié vide se plaignent des dégâts causés par les pluies, et ceux qui voient le verre à moitié plein tentent, vaille que vaille, d'expliquer que les pluies sont toujours bienfaitrices et que ce sont les constructions réalisées par l'homme qui sont à l'origine des dégâts. En somme, l'éternel débat entre les climato-sceptiques et les autres. Alors les autres, comment appelle-t-on les personnes qui sont contre, qui s'opposent au climato-sceptique Le climatosceptique a un antonyme, le réchauffiste. Mais Hakim, revenons aux dernières pluies. Il y a Mordom, Arbir Hamam, mais il y a aussi ce don du ciel qui fait que depuis que la terre respire, l'eau est source de vie. Lorsque l'eau vient à manquer, on s'adapte et on trouve des solutions Exemple. Le dessalement. Alors, vous avez euh, certainement dû lire ce rapport paru sur Futura Science, d'autres publications qui indiquent que le désert pourrait connaître en septembre des précipitations dépassant, écoutez bien, de plus de 500% la moyenne habituelle pour ce mois de septembre. Okay, selon Sever Weather, le Sahara connaît un épisode pluvieux important en moyenne une fois tous les 10 ans. Mais si les quantités des pluies prévues par les modèles météo sont justes, cet événement 2024 sera soit l'équivalent d'un événement pluvieux historique de 1994, soit le plus important jamais observé depuis le, dé le début des relevés. En deux semaines, certaines zones du Sahara vont recevoir l'équivalent d'une à cinq années de pluies, soit entre 70 et 300 mm. Et à ce moment-là, Hakim, le verre serait à moitié plein, mais parce qu'il y a toujours un mais en matière d'environnement et de développement durable, le don du ciel a besoin en amont d'une vision et en aval d'aménagement. Alors concrètement, cela se traduirait par... Gouverner, c'est prévoir. Les pluies sont de retour, et à ce moment-là... Qu'est-ce qui empêcherait de préparer, donc de prévoir, d'un côté des aménagements des bassins versants pour une recharge artificielle des nappes phréatiques et de l'autre, la récupération des eaux de pluie à partir des, des toits, des immeubles et à ce moment-là, le taux de récupération des pluies sera tel que la citerne souple, écologique et économique va remplacer le verre. Et ce nouveau ratio fera que le verre deviendra, grâce à sa transparence, une unité de mesure reconnue tant par les climato-sceptiques que par les réchauffistes. Comme toi, la pluie peut faire germer la différence. À demain.